est composé d'une coque, de poudre d'amande et de sucre glace. Donc on y monte une meringue auquel on y incorpore la poudre d'amande. Et une fois cuit, on assemble deux coques avec une ganache au chocolat ou au fruit. Alors, pour le macaron sucré, il est très prisé pour les mariages, les réceptions, les cocktails ou alors pour un dessert. Le macaron salé est consommé pour les apéritifs, les cocktails, les réceptions. Eh bien, le macaron est une spécialité qui n'est pas représentée sur Reims. Et on peut le décliner dans une multitude de parfums. Ça va du plus classique, la vanille, la pistache, la framboise, les chocolats, jusqu'aux alcoolisés et même des macarons salés. Actuellement, on en est à une cinquantaine de parfums. Donc je réalise à peu près 300 macarons par jour. Il faut réaliser les coques, les crèmes, les ganaches. Donc ça prend du temps quand même. Le macaron, c'est très bon.